Jean-Charles Michel Roux, avec ses invités exceptionnels, Dana Brun, Bénédicte Jean. Quand je suis sur scène, quand je vois, on voit surtout dans des grands festivals, dans Grand Festoz, comme Yavang justement, où on voit une marée humaine, des vagues qui déferlent, qui bougent, on voit vraiment quelque chose de similaire. Quoi. Donc c'est assez impressionnant, j'ai l'impression d'être dans une cabine d'un bateau, et voilà, je suis devant, il y a un écran, et je vois des gens qui réagissent. Et puis eux, ils me ramènent aussi quelque chose, ils me font bouger aussi, comme la mer me ferait bouger si c'était sur un bateau. Quoi que tu adores ici? Ici, c'est Ploumanar, Ploumanac, la côte de granit rose, Pierrose Guirec. Et c'est le plus bel endroit, qu'est-ce que tu as dit? Ah, c'est le... Je vais pas exagérer, mais c'est un des plus beaux endroits au monde, je pense. Ici, ce n'est le... Moi, depuis que je suis dans le Trégor, je compose beaucoup par rapport aux éléments que je ne connaissais pas à l'époque, à savoir la mer. Et j'ai fait des morceaux qui s'appellent Danse Armor, ce genre de choses. La danse de la mer, les vagues, la mer. Ouais, je suis en communion, quoi. J'aime bien la campagne aussi, et du coup, du matin au soir, il y a des oiseaux qui chantent. Bah, je vais composer aussi avec les oiseaux. Ils vont me chanter tous les matins une gavotte quelque part, ils vont faire. Je vais leur répondre, la tête, idée d'Aden. Puis voilà, j'aurais composé une chanson. Merci les oiseaux. Pour moi, un bagad, c'est un orchestre symphonique breton. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'instruments comme la cornemuse, le biniou, la bombarde, les lombardes, tout ce qui est percussion aussi. Il peut y avoir plein de choses d'ailleurs, on peut mettre des accordéons, des violons, des guitares maintenant. Mais en général, ce qui symbolise quand même le bagad, c'est les cornemuses et les bombardes. Il faut venir voir, pour s'en rendre compte, c'est assez sonore, quoi. C'est assez prenant, c'est assez trippant. Ça donne envie de danser, forcément, de bouger. C'est une musique de trance, la musique bretonne. C'est une puissance et un savoir-faire unique, quand même. J'aime les concerts de styles différents, que ce soit du rock, du classique, du jazz, du traditionnel, et voilà. Mais c'est vrai que dans le Festoz, il y a un truc particulier, c'est-à-dire que toutes les générations, il y a des gamins, il y a des anciens, de tout âge, et tout le monde se tient la main. Il y a des rencontres, des belles choses qui se passent, et puis des danses diverses et variées. Il y a tellement de danses en Bretagne, il y a Vod, des Andros, des cercles, des costachouates, pas forcément du Trégor, donc. J'aime bien ce côté communion. On est là pour essayer de faire la fête au mieux et dans un monde des fois qui est un peu brutal. Donc autant se faire du bien, faire de la musique, à danser ensemble, à communier.